Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette petite vidéo de présentation de cette oreillette kit Bluetooth. Alors, vous savez que c'est pas un casque Bluetooth, hein. Son utilité première, c'est un kit main libre. Alors, il est sympa, il vous donne de la musique. Et j'avoue que le son, il est pas mal quand même. Alors, voilà. Bon, je sais pas si cette vidéo, elle va vous être utile. Bon, si elle n'est pas utile, et tant pis. Moi, elle m'a été utile parce que ça me fait plaisir de faire des vidéos, de communiquer. Si ça peut aider, tant mieux. N'hésitez pas à me le faire savoir. Si ça vous a été utile quand même, ça me permet de voir si je me donne pas du mal à faire des vidéos pour beaucoup d'articles. Et ça, c'est pour le bien de tout le monde. Et puis voilà, j'aime ça et j'aime communiquer. Je préfère faire une vidéo que de faire une photo de l'article déposé en exposition sur la table, clac, avec un copier-coller de ce qu'on sait déjà. Voilà. Alors, il n'y a pas forcément à apprendre grand-chose de moi, mais ça me permet de savoir si au moins je me dépatouille pas trop pour rien. Alors, ça serait sympa, un petit oui. Bon, voilà. Alors, à la présentation, alors on va déjà parler de l'aspect. La qualité, eh bien, c'est joli. Vous le voyez pas comme ça, mais bon, c'est un bleu pailleté et il est très joli. Moi, je l'aime bien, hein. Personnellement. Voilà, vous avez une petite broche là, comme les lunettes, qui vous permet de pouvoir avoir un meilleur confort et de pas décoller vos oreilles comme Dumbo ou le prince Charles, le pauvre prince Charles. Voilà, vous avez différents diamètres d'oreillettes. Alors ça c'est bien parce qu'avant on trouvait pas ça, hein. Moi quand j'avais un casque avec des oreillettes, on vous en fournissait qu'une, c'est comme ça, ils étaient radins. Et j'aimais pas ça, soit c'était trop petit, soit c'était trop gros, ça me gênait. Et maintenant j'ai trouvé l'oreillette qui est confortable pour mes oreilles immenses. Voilà. Donc câble fourni, ça, évidemment. Voilà. Alors, je pense que maintenant, il y a pas besoin de vous expliquer comment on appaire un appareil Bluetooth avec son périphérique, hein. Voilà. Avant, on était obligé de rentrer un code, ceci, cela. Maintenant, avec les versions de Bluetooth 4.4, 4.1, il n'y a plus besoin de le faire. Alors, vous rentrez dans vos paramètres Bluetooth, vous cliquez sur appairer, analyser, il va vous connecter, et l'oreillette va vous dire connecter. Voilà. Alors donc voilà. Pour accepter un appel, vous appuyez une fois sur le petit bouton. Pour le refuser, vous restez appuyé plus d'une seconde. Pour écouter de la musique, vous l'utilisez comme pause et pour relancer la lecture. Pour changer de musique, alors vous pouvez aller que en avant. Eh oui, c'est un kit main libre à l'origine. Et déjà, il est cool de vous donner de la musique, il faut pas trop en demander. Mais un petit bouton, ça aurait été sympa supplémentaire. Parce que voilà, on peut que avancer ses musiques. Et le volume également. C'est-à-dire que si vous voulez baisser le volume, vous êtes obligé d'appuyer donc avec des appuis successifs, d'entendre un bip de buter, hein, de fin. Et vous rappuyez une fois, et ça va vous baisser d'un coup le son, et là vous réappuyez pour augmenter le volume qui vous convient. Bon, c'est pas super gênant, hein. C'est pas genre, super gênant non plus. Voilà. Bon, écoutez, quand votre Bluetooth est désactivé, il va s'éteindre tout seul, comme ça économise de l'énergie. Alors vous voyez ici, ouais. Ah, peut-être que vous étiez curieux. Certains connaissent, certains connaissent pas. En tout cas, moi, je connaissais pas. J'ai eu la flemme, la feignantise d'aller chercher mon portable, mon chargeur. Et oui, je suis un être humain. Je suis feignant des fois. Et donc j'ai branché ça.
que j'avais juste à côté de moi. Et ça, c'est une batterie autonome rechargeable solaire et secteur, où vous pouvez brancher de USB avec une lampe de disponible, un SOS, un stroboscope. Et bah, si je vous le montre, c'est parce que vous pouvez trouver ça chez le même vendeur qui vend notre fameux kit main libre. Vous allez retrouver ça chez le vendeur. J'ai fait une vidéo de présentation qui peut être intéressante si vous intéressez à ce produit qui est vraiment pas cher aussi et vraiment très 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 utile. Eh ben, vous allez voir ma vidéo. Vous cliquez au-dessus de la vidéo consacrée au kit, celui-ci. Vous cliquez sur Dolio et vous allez retrouver cet article et regardez la vidéo, vous verrez qu'il y a des choses que ils sont pas qui n'est pas dans la notice. Là, je pense que ça sera utile. Voilà. Alors, moi, je trouve ça sympa. Donc, on va pas s'égarer parce que la vidéo, elle n'est pas consacrée à cet article-là. Il est consacré à celui-ci. Donc, bah, écoutez, bah, pour finir, moi, je vous dirais, moi, j'aime bien. J'en ai pas d'utilité forcément tous les jours, mais des fois ça peut être pratique. Mais rappelez-vous, depuis la loi du mois de juillet, tout kit main libre oreillette est interdit en voiture. Alors, c'est pratique pour les agents de sécurité, pour les commerciaux, ou pour les gens qui n'aiment pas forcément écouter tout le temps de la musique et qui en ont marre de sortir leur portable de leur poche. Et puis il y a aussi une question de discrétion. Eh ben écoutez, moi je lui mets une bonne note parce qu'il le mérite. Et voilà. Eh ben écoutez, je vous remercie d'avoir prêté attention à cette vidéo, en espérant qu'elle vous a été utile malgré tout. Et puis même si vous n'avez pas besoin de moi, c'est pas grave, ça me fait plaisir de faire des vidéos. J'aime ça. C'est mon dada de rendre service. Et puis voilà. Allez, au revoir à tous. Merci.